ses sacs de ciment, ses barres de fer et ses graviers constituent entre autres les matériels destinés pour la reconstruction de cette mosquée Molaya, située à Tanene, secteur Tatagi, dans la commune de Matoto. L'initiative est du conseil des mosquées de cette localité. Une manière pour eux d'agrandir et rénover ce lieu de culte pour permettre à un bon nombre de fidèles d'accomplir leurs obligations religieuses. Depuis 1992, cette mosquée abrite des vieilles personnes. Nous voulons soulager cette population-là qui est vieille pour pouvoir les soulager dans les prières, parce que la mosquée de prière de vendredi se trouve au bas de la colline. Donc la descente de cette colline et la montée, c'est une difficulté pour des vieilles personnes. Donc nous avons voulu les soulager. Moi, je suis venu les travaux d'Era, celle de Mosiga, Sakoya, celle de Bekaï Nagamato, on a fait un anana, on a dit d'avoir la Wangan Salibi. Donc on a bien su mourir. Ce bâtiment pour une grande Sakambi n'est qu'une tam maçonne nana. Dans un fan n'a pas oublié, n'a pas n'a pas ce bâtiment. Nanan quoi, c'est que nanan a renforcé un nec. Dans ça. Donc, dans le but de réaliser ce projet, ces hommes invitent tous les bonnes volontés à s'investir pour l'achèvement de cette maison de Dieu. De nos jours, plusieurs lieux de culte sont abandonnés au vu et au su des autorités religieuses. L'État, dans son rôle, doit prendre cette situation à bras le corps pour venir au secours de ces hommes de culte afin de permettre aux citoyens de ce quartier d'accomplir les 5 prières. Alicom TV. La télé web. La télé qui dérange.